Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.
Et salut à tous et bienvenue sur Clan Mystique TV pour ce match des Dendidi contre Orgeless. Donc c'est moi, Robocami. Je serai là pour tout le BO3, je pense, tout seul. On verra en fonction s'il y a quelqu'un qui se libère ou pas. Sinon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Et on attend les derniers joueurs et ça devrait partir normalement. Il y a l'air d'avoir un problème au niveau de la connexion, je crois, mais ça a l'air de se régler petit à petit. Du coup, n'hésitez pas à communiquer dans le chat si vous avez des questions. Je m'efforcerai d'y répondre, quoi que ce soit. Je vais essayer de, bah de comment dire, remplir le temps qui nous reste avant le début et puis remplir le temps qu'il y aura une fois le match commencé, hein, aussi. Et je vais faire tout mon possible. Il nous manque donc un joueur ou deux. Barcode qui est arrivé, il nous manque un joueur chez les Orgeless. Sinon, bah. Voilà. Je sais pas trop comment ça va se dérouler. C'est. Mirage, ça a été un pic, on m'a dit, on m'a donné les infos. Mirage pic Dendidi. Et Orgeless, ça pique ensuite Cobble, et la troisième map, ce sera Cash. Alors moi, je suis pour aucune des deux équipes en particulier. Je pense... Enfin, j'ai un doute. Je pense que c'est les Dendy qui vont... Qui vont win. Après, je suis pas forcément pour une équipe plus qu'une autre. Après les Orgeless, je les ai déjà vus jouer, ils sont pas mauvais hein, concrètement. Est-ce qu'ils vont me gagner cette fois, je sais pas. On va voir ce que ça va nous donner, c'est un BO3, ça nous réserve plein de surprises. On a un Reddy qui est lancé au moins du côté des CT, enfin du côté des Dendy justement. Il nous manque toujours un joueur chez les Orgeless. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Là pour l'instant ça s'échauffe tranquillement. Un long échauffement, mais certes, mais quand même. Ce dernier joueur qui met du temps à se connecter. Je sais pas quand est-ce que le match va commencer. On attend le dernier joueur. Mais les gens ils se tirent dessus. Ils se fassent pas ban. C'est normal. C'est des matchs spéciaux. C'est pas du MM ranking comme nous on a. Ils font pas ban pour team kill ou ce genre de choses. C'est pour ça que généralement aussi il y a le knife round qui apparaît chez nous et que il y a aussi le l'overtime qui apparaît aussi en matchmaking normal. Ouais, ça commence à être long. Les deux teams qui vont commencer à toujours s'impatienter.
Voilà les premiers messages. Est-ce qu'elle arrive du côté des anti-terreaux? Dépêchez-vous, qui dit. Je sais pas si on a un problème ou si c'est juste qu'il met du temps. Après là, il y a des messages en finlandais, j'imagine, que je ne comprends pas. Le dernier joueur qui n'est toujours pas là. Alors. Oui, c'est la warm-up du jour. Le match va être reporté, je sais pas, je pense pas. Hein. Ça y est, c'est lancé. Du coup, le knife round qui est lancé, voilà, pendant que je regardais le chat. Ça va aller se découper la rondelle à cette sortie de. Enfin, cette entrée BPA plutôt. Le premier kill qui est fait par Flash. On l'a attendu longtemps. Hein. Alors, les Team Orgeless qui sont à leur troisième kill, il en reste plus que deux, mais on a un déco du côté des CT. Du coup, voilà. The Farmer qui se fait découper. Qui fait découper parmi. Et voilà, c'est fini. Du coup, bah, le Knife Round remporté, j'imagine, par cette équipe des Orgeless. Mais le dernier jeu, c'est bon. Benji est revenu. Ça va partir, je pense. Le Ready va être call, enfin. Je vais pouvoir caster en paix. Du coup, la fin de l'échauffement. Il faut bien un échauffement pour Flash. Ça y est, ready. Le deuxième, c'est parti. Du coup, on va voir pour ce premier match de ce BO1, de ce BO3, pardon, les Orgeless qui ont swap, du coup, qui sont en CT. Du coup, qui prennent, je pense, l'avantage. Oui, c'est ça. Ils prennent l'avantage du side, tout simplement. Et est-ce que ça va être décisif ou pas? Pendant ce temps, on s'avance à 3 dans cet underground. Les premières balles qui sont tirées. Dead Fox qui est déjà à 15 HP. Flash qui va prendre la tête de Zenbe. Robin. Qui va faire revenge sur Flash. C'est du 4v4. On a toujours un joueur low HP. Du côté Dead Fox qui reste à 4 HP désormais. La bombe qui va pouvoir, je pense, être plantée. Ou Benji qui s'est pris une grosse tête là de la part de Néné. De Sam, je sais pas quoi. Robin qui prend la tête de The Farmer. On a 3 CT qui arrivent sur la bombe en même temps. Les terreaux qui sont un peu partout éparpillés là. Robin qui prend la tête du mi. Ok, gros double kill là de Néné. Oh, Barcode qui finit sur une grosse tête. Ça va être. C'est un beau premier gun round là fait par ces Orgeless qui était parti. Qui était parti en un peu mal. Qui s'était bien éparpillé mais qui sont revenus par le city spawn et qui ont réussi à prendre le round. Du coup, ça va pas force buy, ça va économiser leur sous, ça va prendre juste un gun du côté des dandy. Les Orgeless qui font déjà un bon triple kill. Il reste déjà plus que Benji et Robin sur ce BPB. La bombe qui est down au spawn.
Je pense qu'ils vont même pas tenter de la planter, ils vont juste essayer de prendre quelques kills. Pendant ce temps, je pense que ça devrait pas tarder à leur courir dans le dos là. Flash qui prend la grosse tête de Benji, il reste plus que Robin qui va tomber. Total domination, comme ils disent. Voilà, 5 joueurs en vie. Le premier rune armé qui devrait. Bah, on peut dire qu'il est maintenant, hein, presque. À part Dumas qui va rester au Tech 9. Sûrement pour acheter un AWP après. Ou tout simplement parce qu'il n'avait pas les moyens. Delphox qui va tomber dans cette sortie connector. Flash qui a pris l'info sur ce BPB qu'il y avait un joueur en face de lui. C'est Dumas, justement. On a The Farmer qui attend cette sortie connector avec son XM10-14 là. Ça va sûrement se diriger vers une short B. Mais on a un joueur dans cette short. C'est Barcode qui est là et qui attend justement l'avancée de ces terroristes. Il est revenu sur ce BPB. On n'avance pas trop hein, du côté des terreaux, ça joue un peu. C'est. Ça y est, un kill de plus fait par cette équipe terroriste. On temporise encore, il reste 40 secondes. Ça va commencer à bouger, je pense. Il reste un joueur sur ce BPB. Et la bombe qui s'avance tout doucement dans cet appart. Le BPB qui va être pris. On a un joueur underground qui va arriver par derrière, mais il va arriver sûrement trop tard. C'est The Farmer qui va tomber, suivi par Barcode. Ça commence bien pour cette équipe terroriste sur ce round au moins, et peut-être sur ceux d'après. Le dernier joueur là s'avance du côté de cet appart B. Et tout le monde lâche le BP? Ah non, il reste Twist qui reste sur ce BPB là. Mais tous les autres sont partis. Siké le dernier. Le dernier kill. Pour essayer de. Bah, d'avoir les sous, tout simplement. Et ça y est, il a été vu. Il va mettre Twist l'OHP, mais il va la tenter. What the fuck? Et il a pété, tout simplement. Bon, bah, il a perdu son arme. Je sais pas. J'ai pas compris. Elle est clairement pétée. Même avec un kit, il avait pas le temps, quoi. Tant pis. Ça fait un FAMAS de perdu du côté de Searsless. Il aurait pu sauvegarder aussi son Kevlar. Mais du coup, on va partir sur Kataka du côté de CCT. Deadfox qui fait une grosse rafale qui tue deux joueurs. Barcode qui va mettre une petite tête sympathique là. On a un joueur qui. C'est Zende qui va prendre midlife à cause d'une greu. Zende! Double kill! Un double kill magnifique! Une greu qui sortait de nulle part suivie d'une tête. À travers Smoke, c'était assez impressionnant. Hein. Concrètement. Je sais pas trop comment il a fait, il a dû calculer les probabilités, Barcode qui va faire tomber Zende, bah malheureusement qu'il va pas pouvoir faire grand chose de plus. Et le dernier joueur du masque qui va rester dans ce mid avec la bombe. Il a toujours son AK et 45 secondes, il a le temps encore de faire quelque chose. On a un joueur sur A, un joueur sur B du côté des Orgeless et un joueur qui reste dans la jungle, qui est prêt à switch du côté dans lequel ça va partir. Du coup, 28 secondes à jouer. Est-ce qu'il va la tenter? Il a l'air d'être parti vers le BPB. Voilà, il est parti vers le BPB. Il va faire tomber Flash. Et je pense qu'il va planter la bombe dans la smoke. Ce qu'il a l'air de faire. Ou pas. Il va la planter juste après. Il n'y avait aucun joueur, mais il ne le savait pas forcément. Du coup, on a un joueur qui va s'avancer dans cette kitchen et un joueur qui va arriver derrière lui depuis la short. Voilà, Dumas qui va faire le premier kill. Il en reste un, il reste Barcode. Barcode qui va tomber sous la K de Dumas. Dumas, très bon round. Triple kill.
C'est pas mal ce qu'il a fait, je pense. Il a fait son clutch plantage de bombe là, il était beau. Du coup, ça va partir en écho un peu bizarre. Enfin, ouais, non, en écho total même d'ailleurs. Du côté de Sir Angeles là, 2-2. Les terreaux qui sont sur leur lancée. Bah, Twist d'ailleurs qui va faire tomber Dead Fox. Bah, Benji ensuite qui va enchaîner. The Farmer qui va quand même faire tomber Benji. Il reste Robin qui fait tomber The Farmer. Il reste du coup Barcode qui est dans ce connecteur. Flash qui va faire quand même tomber Robin sur cette sortie palace. Il reste plus. Bah, voilà, il reste plus personne en fait, tout simplement. Ouais. C'était une bonne écho quand même pour de la part des Angeles là. Ils ont fait tomber 3 armes ou 2, je sais plus. 2 et 1 à 4 HP, je crois. Mais du coup, ouais, voilà, on a récupéré la WAP du côté des terreaux, tout va bien. Ça commence déjà à être un bon round où Dead Fox qui s'est pris la grenade à la sortie connector. Il est déjà mid-life. Zende qui sort, qui a vu la tête, voilà. Il a vu une tête, il a tiré dessus tout simplement. Hein. The Farmer qui passait par là. Flash qui va quand même faire tomber Twist. Twist qui avait la WAP. Néné, Panpan qui va se retrouver mid-life. Néné qui va quand même faire tomber Benji. Néné, double kill sur Zende. On va l'appeler Sam. Hein. Il s'appelait Sam. Parce que Néné, c'est dur à dire. C'est déjà du 4v2. Oh, le terroriste, c'était Dumas qui est sorti de cette smoke en regardant du mauvais côté. C'est dommage. Il aurait pu la tenter. Il reste déjà plus que Robin qui est mid-life dans cette sortie connector. Sortie Pit, pardon. Et on a l'info, on sait où il est. Et voilà, on avait la ligne parfaite de la part de Sam. C'est grosse tête. Tout simplement. Du coup, bah, 3 partout. Les CT qui se remettent un peu en place. Ils ont pas la WAP. Dumas, il a sorti la WAP encore du côté des terreaux. Je l'ai pas vu si décisif que ça pour l'instant, la WAP. Est-ce que ça va vraiment faire la différence ou pas? La short case smoke. Benji qui prend l'info. Deux joueurs, un joueur midlife de chaque côté et plus parce qu'il y a Benji qui est presque midlife. C'est ouais, les premières balles traversent smoke généralement qui sont tirées. Dumas, premier kill. Dumas, premier kill sur Flash. Dead Fox qui va faire tomber Twist. Robin qui va faire tomber Dead Fox en revenge. Néné, Robin. Néné, qui est très très chaud là. Qui est complètement premier de sa team, hein, 8-3. C'est du 3v3, bah 3v2 pendant ce temps-là, néné, comme je disais, qui vient de faire tomber Benji. Il reste Zende dans ce palace et Dumas qui arrive avec la bombe dans ce pit. On a un joueur sur A, un joueur jungle. Et on le sait pas. On sait pas qu'il est là. C'est qui? C'est The Farmer qui est là, qui est caché. Sur ce BPA. On a un joueur jungle, par contre je pense qu'on le pressent. Voilà, ça y est, The Farmer qui est sorti. The Farmer qui prend une énorme tête après avoir fait un kill. Zende double kill. Il reste plus que Barcode qui est caché à EDF. La bombe qui va être plantée, je pense. Pense qu'on sait qu'il est pas loin. Voilà. Mais on le savait pas assez. Il va retomber à 35 HP, mais il va faire le kill qu'il fallait et donner à son équipe le quatrième round. C'est ouais, c'est bien joué de la part de CCT. D'avoir surtout The Farmer qui était caché sur ce BP. Il aurait pu faire le double kill, il n'a pas réussi. Il en a fait juste un, c'était déjà pas mal. C'est une map, j'avais dit tout à l'heure. C'est la map d'Endy. Et après c'est Cobblestone, pick par les Angeles. Mais c'est une map plus CT que terreau du coup. Voilà.
Le premier kill qui est fait par Zendy. Le deuxième kill qui est fait, la grosse tête. Dumas en attendant qui va faire tomber Flash. La bombe qui a couru sur B, qui a été plantée. On a Dead Fox toujours qui est dans ce city spawn. Il vient de faire un joli double kill. Est-ce que ça va suffire pour faire les trois autres, sachant que on pressent qu'il va arriver Kitchen. On a Barcode qui est en face à face. Troisième kill de Dead Fox. Non mais ça va pas le tenter. Robin qui vient de faire un gros jump shot. Et Dumas, deuxième. Un coup de tech 9 dans les roubignoles, là, ça fait pas du bien. Hein. Même en sautant, je pense qu'il aurait pas pu faire grand-chose. Du coup, ça va économiser du côté des Hurzlers. On a 4 partout, c'est assez serré. On a un setup. Enfin, setup basique, disons. On a Wap sur Twist. D'ailleurs, la Wap sur Twist qui va faire des. Qui va faire son taf, Dumas qui va faire tomber Barcode, Dead Fox qui va faire tomber Zendé, Flash qui va faire tomber Robin, on a Benji qui va revenge sur The Farmer, Dumas sur Dead Fox, Flash encore une fois double kill sur Dumas je crois, Flash dernier à défendre son BPA contre les envahisseurs terroristes. On a un AWAP et une M4 contre un AK. Et voilà, l'AK va tomber. Tout simplement. Benji qui va prendre le kill sur Flash qui pensait back en B. Et ben non. Du coup, 5-4 pour les Danois là. Non, Finlande. Je sais plus. Bref, c'est Danemark ça. Tout simplement. Contre les Rogers. Les premiers tirs à travers les smokes qui font pas du bien. Dumas qui va se retrouver à 35 petits HP. Mais on va avoir Zendé qui va prendre le premier kill, l'entry kill sur ce BPA. Sur Néné. Tout simplement. Benji qui va se retrouver par contre à 7 petits HP. Ça commence à s'avancer plutôt bien vers ce BPA. Ça lance des gros, des smokes, tout ça, le CPL. Et The Farmer qui risque de brûler s'il reste, s'il bouge pas. Il a perdu 70 HP à cause de ce Molotov. Dead Fox qui va faire le kill alors qu'il était à 27 petits HP. 4v4, Twist qui va faire tomber Barcode par contre. Robin et Twist encore. Qui vont faire un chien kill chacun. Il reste encore plus que Flash qui est caché dans cette jungle. Mais cette fois contre 4 terroristes, dont 2 presque full vie, ça va être tendu. Et encore une fois, du côté terro, on laisse la bombe avec un seul joueur. C'est couillu. Il aurait pu, il aurait presque la tenter, je dirais. Mais non, du coup, Flash qui va se retrouver à 41 HP à cause de la déflagration, mais qui va survivre et qui va du coup surtout sauvegarder sa M4 et son Kevlar. Du coup, 6 à 4 pour les terroristes, ça commence à faire un sacré écart, surtout pour Mirage. Du coup, ça va partir en écho du côté des Hurtless. Contre encore un setup. Full stuff, hein, tout simplement. Robin 22 HP, Robin qui va par contre faire le kill sur Flash. Dead Fox, Barcode qui va tomber sous les balles de Benji. On a un joueur sous le BPA, c'était The Farmer qui va tomber sous les balles de Zen Twist qui va faire un double kill. Et Dumas qui va terminer sur Sam. En round parfait, hein, tout simplement. Aucun mort. Je crois que la bombe a été plantée, mais ça doit pas être très important. On commence à avoir une économie sympathique du côté des terroristes là. Sauf Benji qui est un peu en manque.
à court de sous, mais il pourra quand même racheter au prochain round, j'imagine, clairement. Ah, le premier kill qui est fait cette fois par Barcode dans ce palace. On a un avantage du coup. On est en. Bon, voilà, un deuxième kill qui est fait par Dead Fox. J'allais dire, on est en 5v4 maintenant, on est déjà en 5v3. La banque est toujours respawn. On attend surtout pour peut-être le premier kill. The Farmer qui était pas caché du tout, qui attendait juste tout simplement le premier terroriste qui passerait par là dans cette palace et il est mort. Benji, par contre, qui va faire le premier kill de ces terroristes. Ça va être sur Barcode. Il reste Benji et Robin. Ils sont tous les deux avancés vers ce BPA. Mais ils vont tomber sur deux joueurs qui les attendent, c'est Nénéné et The Farmer, tout simplement. Ça s'avance petit à petit, ça attend, ça essaie de voir la tête qui dépasse si possible. On a un joueur palace. Ah non, il était en dessous, j'ai rien dit. Voilà, Benji qui va le faire tomber. Okay, c'était The Farmer qui était en dessous là. Et Benji qui va le faire tomber, mais il va se faire revenge tout simplement. Une pause qui a été call, c'est. Je sais plus qui est parti. C'est Barcode. Barcode qui fait un. Qui a été déco. Je sais pas si c'est un problème de. Je sais pas de. Quel est le souci. Mais on va attendre. Bah ça y est, il est revenu en 30 ans. Voilà, tout simplement. J'allais dire, je peux répondre à vos questions en attendant, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Sinon, le on pause qui est call, voilà, ça va repartir. On attend la fin du décompte et c'est parti. Du coup, 5 à 7 pour ces Orgeless, du coup, 7 à 5 plutôt pour ces Dendi. C'est déjà un bon round terreau. Très bon round terreau. Hein. 7 rounds marqués en terreau. Sur Mirage, c'est bien. Ils ont fait leur side. Est-ce qu'ils vont faire plus? Il reste 3 rounds pour en décider. Du coup, ça commence, ça court vers ce BPA. On avait un joueur sur cette EDF qui était caché, qui était là à attendre du mas. C'était Nénéné et Robin qui va faire le revenge. The Farmer qui va faire tomber Zendé. Dead Fox qui va faire tomber Benji. Il reste deux joueurs. Il reste Twist avec son AWP qui va faire tomber Dead Fox avant de tomber sous les balles de Barcode. Et il reste enfin plus que Robin qui va, voilà, tomber sous les balles de Barcode encore une fois. Le sixième round marqué par ces Orgeless. Ils n'ont pas l'intention de laisser ce side. Ça va se tirer dessus et ça va faire ça bien, je pense. Ça va pas arrêter de jouer pour autant. Encore heureux. Du coup, voilà, le premier kill qui est fait par Dead Fox dans cet appart B. Du coup, bah, ça fait bien un joueur en moins. Déjà plus que 4 pour cet héros. Ça va être tendu. L'AK qui est récupéré. Ça commence à s'éparpiller, j'ai l'impression, du côté terroriste. Hein. Au début, ça restait un peu tout le temps. Enfin, souvent, on avait peut-être un ou deux joueurs qui s'éparpillaient, mais ça restait quand même. Et là, on a vraiment un joueur de chaque côté. On a un joueur. Enfin, mid avancé, on a un joueur mid au fond, un joueur sorti palace et un joueur pit. Ça commence à s'avancer vers le A tout doucement, mais il reste déjà plus que 40 secondes. Ça va, je sais pas, c'est. Pourtant, ça marchait bien au début, hein. Ils ont mis 7 rounds. Ouais. Là, ça va se lancer, j'ai l'impression. Une CPL qui est lancée. Ouf, Barcode qui s'attendait à la sortie de Bungie dans ce connector. Nénéné, The Farmer qui font un kill chacun. Twist qui va revenge. Twist double kill. Et c'est la fin. Dead Fox qui va faire tomber Twist avec son AWP. La dernière manche de cette première mi-temps entre ces Orgeless et ces Danois Dendi. Je sais même pas comment le prononcer. C'est. Ouais.
Du coup, ça va être la manche qui va décider de qui a gagné le side, tout simplement. Et ça court tout simplement sur ce BPB, sachant qu'il y a un avantage certain du côté des CT, dû à leur stuff, tout simplement. Voilà. Deux kills de fait, trois kills de fait, flash. Et. Ah, par contre, on a un kill de fait. Voilà. Deux kills de fait par Dendy et Twist. Mais ça va pas suffire, tout simplement. Ça va être la fin. Orvilette qui a mis le premier side. Ils vont passer en terreau. Je sais pas si ça va suffire. Est-ce que les Danois vont nous faire un bon side bah, CT. Ce qui est un, enfin, mais disons un side CT plus normal que 8-7, quoi. Parce que, bah, je sais pas. Voilà, le premier kill qui est fait par Zend. Deuxième par Twist. La bombe qui va être plantée dans cette smoke. The Farmer qui va quand même faire un kill. Le deuxième par The Farmer. La bombe qui va avoir le temps d'être diffuse, j'ai l'impression, carrément. Parce que Dumas arrivait par derrière. Et il lui a mis tout simplement une petite tête. Et la bombe qui a été diffuse. Voilà, comme t'as vu, tout simplement. Du coup, ce premier round marqué par CT. Le gun round, toujours aussi important. On va sortir un scout de M4, de MP7. Alors que de l'autre côté, bah, on a économisé toute. Pas tout notre argent, mais presque. Parce qu'on a sorti uniquement des guns et une flash. Pour le mid, sûrement. Du coup, les premiers PV en moins sur Barcode. Barcode qui va se retrouver à 6 HP à cause de la grenade magnifique de Twist. Benji qui va faire un bon double kill. Zende qui fait un bon triple kill aussi d'ailleurs au passage. Après avoir fait tomber Barcode justement qui était low life, il va finir son round. Tout simplement. Et du coup ça va acheter direct full AK, full Kevlar casque du côté des Orgeless. Au troisième round c'est assez bizarre et Barcode va en profiter. Twist qui s'attendait sûrement pas à voir à débarquer des AK en face de lui comme ça. Du coup, bah, un avantage qui est pris par les terroristes. Zende qui va prendre des petits dégâts, Barcode qui va se retrouver à 31 HP. Le mid qui est clairement pris par cet là. Par cet héros, pardon. Et ça va tempo. Ça va tempo. Ça y est, les flashs lancés. Zende qui va faire le kill sur Néné. Flash. Et des Zende qui va se retrouver d'ailleurs à 15 petits HP. Benji mid-life. Toujours 3 joueurs qui s'avancent dans ce mid du côté terroriste. Et hop, Dumas qui va faire tomber Barcode qui était à low life, il me semble. Dead Fox par contre qui va revenge tout simplement. Un coup d'AK-47. Du 3v3, la bombe n'a pas encore été plantée, il reste 30 secondes. C'est encore largement faisable du côté de CCT. Et oui, c'est la première map. Robin qui était caché. Robin qui était caché sur ce BP et qui va faire un beau double kill. Il reste un joueur. C'est Flash qui va prendre la grosse tête de Robin qui dépassait. Il avait l'info qu'il était là, mais quand même, la bombe. Il aurait pu diffuser la bombe. Zende là. Zende qui va la tenter d'ailleurs, mais ça va pas passer. Tout simplement parce que Flash est pas complètement débile. Et que même si c'est pris un peu la flash, il va savoir directement que c'était pas du fail et il va lui tirer dessus et fin. Voilà. Du coup, 9 à 9, bah, ça comme mine de rien, c'est serré. Hein. Le premier round terreau marqué dans ce deuxième side, pardon. C'est. Voilà, Barcode qui va tout de suite tomber. Deuxième kill fait par Dumas. The Farmer qui va revenge sur Robin. Dumas qui est
Midlife, sur ce BPB, les terroristes qui vont rotate sur le BPA, ça peut être une bonne idée. J'ai l'impression que les CT ont envie de switch, enfin de repartir sur le BPB. On en a un déjà. C'est Twist KO City qui est passé T-spawn là. Il peut leur arriver totalement dans le dos. On a un joueur jungle, c'est Zend. Là, ça a 52 secondes, ça va être tendu, ils savent pas trop où partir, je pense. Ils attendent peut-être un kill. Et il y a du coup un joueur qui leur arrive dans le dos. Farmer, fallait garder ta position. Voilà, là, premier kill fait par Twist, qui leur arrivait derrière. Deuxième kill fait par Twist. Twist qui va pas faire le troisième. The Farmer qui va l'en empêcher. Mais bon, là, ils ont l'info, voilà. Benji qui est arrivé à ce moment-là. Il pouvait faire ce qu'il voulait, c'était fini. Du coup, le dixième round marqué par CCT, ça va partir en écho du côté des terroristes. Rien. Ah si, un T9 et une smoke, deux smokes. Ok, ça va acheter des armes quand même. Ça va s'avancer. Ça va s'avancer vers un BPA. On a un joueur EDF. Et un joueur qui retourne vers le City là. Ok, on a trois joueurs sur ce BPA. Un joueur connecteur qui revient. Ça va être du 4v4. Voilà. 4v. Ok. Bon, bah tout simplement, Zende et des Robins qui ont fait 5 kills en 4 secondes. Voilà. Point. Rien à dire. C'est tout. Du coup, je vois que vous commencez à être nombreux. Si vous voulez me poser des questions, j'essaie d'y répondre de temps en temps. Mais vu que je suis tout seul, c'est pas évident. Ces terroristes qui commencent à repartir encore une fois vers un BPA. On a trois joueurs Palace. Je crois que personne ne les regarde. On a une Molo qui va les deny, mais ils vont quand même courir dedans. Twist qui va envoyer une grosse grenade dans les Robin de flash, Robin double kill, Zende double kill encore une fois, ça fait deux de suite. À part la greu de Twist, je crois, bah c'était encore une fois un doublé, je pense. Hein. Voilà. Du coup, au niveau du scoreboard, bah, on a Benji qui est un peu derrière. Hein. C'était 14, enfin 10-14, c'est pas tout à fait ça. Sinon, ils sont à peu près tous dans leur match du côté CT. Hétéro, les kills se valent entre 10 et 15. Nénéné d'ailleurs qui va faire le premier kill mais qui va se faire revenge par Robin. Nénéné, le premier de sa partie avec 5 assists par contre. C'est pas forcément une bonne chose. C'est toujours un peu triste quand on voit qu'on a autant d'assists que de kills presque. Voilà, Dead Fox qui va faire tomber du mas, qui s'est lancé dans cette jungle. On n'a plus qu'un joueur sur ce BPA. C'est, si je ne m'abuse, c'est Robin. Et contre 4 joueurs qui risquent de lui courir dessus. Même si, ça y est, il est dans l'info. Robin, premier kill. Robin, deuxième kill. Mais voilà, The Farmer qui va le faire tomber. La bombe, je pense, va être, voilà, insta plantée. Dead Fox qui attendait le comeback de ses joueurs. Twist qui n'a pas eu le temps de faire tomber The Farmer juste avant qu'il ne pose la bombe. Et voilà, Dead Fox qui va faire tomber Twist. Dead Fox qui était chaud. Hein. Il a fini à 14 petits HP. C'était pas loin, mais il a quand même réussi à le faire tomber. Dead Fox qui a d'ailleurs récupéré une AWAP qu'il va tout de suite s'empresser d'utiliser, j'imagine, dans ce lead. En tout cas, il y court. Absolument pas. Absolument pas du tout, il est parti dans cet appart B. Voilà, Flash qui va faire le premier kill sur Zen. Deuxième kill fait par contre par Benji sur Barkhane. On a Benji qui va se retrouver à 22 petits HP. Pendant ce temps, Dead Fox qui va faire tomber du mas sur ce BPB. Il reste un joueur sur BPB, il est low life, c'est Robin. Non, absolument pas, c'est Benji.
Robin qui est sur le sur la sellette là qui est à 16 petits HP. Dead Fox qui va par contre tomber sous les balles de Benji. Benji qui était caché sur ce BP derrière cette camionnette, il me semble. Flash qui va tomber sous la WAP de Twist. Et du coup, c'est du 1v3 pour Nénéné. Nénéné qui pourrait concrètement le faire, mais Twist a l'info. Twist qui va rater sa première balle, enfin il va toucher dans le pied de Nénéné. Cependant, Robin cale l'info, voilà. Robin cale la ligne et qui va faire tomber ce dernier terroriste. 13 à 10. Ça commence à tendre un peu vers cette équipe danoise pour ce premier BO1. On va voir. Oui, il y a un peu de décalage entre moi et le live, c'est normal. Le temps d'upload la vidéo, hein, toujours un peu. Voilà, du coup, Benji twist, Benji triple kill. Et il reste déjà plus que. Voilà, Benji quadra kill. Benji qui a fait 4 kills et un assist dans ce round là, concrètement, je pense qu'il a fait son round. Ça y est, il est revenu, 16 kills à 15 morts, c'est bon. Je disais qu'il était un peu en dessous tout à l'heure, ça y est, il est revenu. Au final, Dumas qui est à 12-12 et qui est devant lui quand même, il a dû diffuser des bombes ou planter. Et le lag de la fin. Enfin, le lag, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ok. Le round qui s'est déclaré, qui s'est fait en 15 secondes et les CT ont gagné. Voilà. Pas compris. Et j'ai un terroriste. Ok, la TV qui est complètement buggée pour moi. J'ai les CT en terroriste et les terreaux en CT. Par exemple, j'ai Robin en terroriste qui défend la part. Ok, bref. C'est très bizarre. Du coup, j'ai des joueurs invisibles aussi. Dead Fox qui fait tomber Dumas, Benji qui fait tomber Flash, Nénéné qui revient sur Benji. Twist qui va faire tomber The Farmer, mais c'est du 3v3. Dead Fox qui a deux petits HP, ils vont défendre ce BP bétant bien que mal. On a Robin qui arrive par cet appartement. On a deux joueurs qui chun. Ouais, ça va tenter de défendre cette bombe. Robin et Twist qui font un kill chacun. Dernier, voilà. Dernier kill fait par Robin. CCT qui vont gagner cette première map. Ces Danois qui remportent cette première map 16 à 10. C'est bien joué de leur part. Et je pense qu'on va faire une petite page de pub hein, avant le deuxième match de ce BO3. Donc n'hésitez pas, je reste sur le live normalement. Vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai par écrit. Et à tout à l'heure. Ciao!
Et re à tous, c'est toujours Robo Camille en direct live sur Clan Mystique TV pour ce deuxième match d'Andy contre Angeles. Du coup, on attend les derniers joueurs de chaque équipe. Il en manque deux en CT, enfin deux chez les Danois et un chez les autres. Je crois que c'est Hongrie. Je sais plus. Il me semble que c'est Hongrie. Si on peut me confirmer, je veux bien. Du coup, Bot Dave qui fait des plays. Trop chaud, double kill de Bot Dave. Voilà, du coup, on attend toujours les Dust. J'espère que ça va pas durer aussi longtemps que le premier match. Ok, merci. Robot, est-ce que Moubot est ton ami? C'est bien plus que ça. C'est compliqué. Relation compliquée. Sinon, j'écoute ta question, Julien Silka. Y a pas de problème, je peux y répondre. Enfin, j'espère. Bud Dave, encore un kill. Ah, il est trop chaud. Ah non, j'ai rien dit. Si, si, c'est ça. Tout à l'heure. Oh non! Pour moi, attends. Alors, mon pronostic sur cette map, je dirais. Je sais pas, franchement, ça va être tendu entre les deux équipes. Je dirais. C'est stress pour Orgeless. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Qui va gagner la DreamHack? Franchement. Les titans, je les sens grave. Ouais, les titans, je les sens grave. Du coup, on a un ready qui est fait par les CT, alors qu'on a toujours un bot qui est là. Je sais pas ce qu'il. Ça y est, il vient de partir. Du coup, je pense qu'il manque le ready des terreaux. Voilà, le Dumas qui redonne le ready. Il manque toujours celui de ces Hongrois. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai faim moi. Faudrait commencer les mecs au moins. Ça y est, ça va partir. Le ready qui est donné des deux côtés. Pas de knife round, je crois. Si. Je sais pas. Si quand même. Si, ça a l'air d'être parti au knife round. Hein. J'ai eu peur. Je me suis dit, c'est pas normal qu'ils aient leur gun, mais bon, tant pis. Du coup, le premier coup de couteau, le deuxième aussi, qui est fait sur Dumas. Twist qui va. Qui essayait de prendre ses ennemis à revers, ça n'a pas très très bien marché. Vu que là, tout le monde lui court dessus. Les Angeles qui font le deuxième kill, Twist et Benji qui vont quand même faire un kill chacun. Mais bon, là ça va être tendu, on a deux joueurs, un clic droit ça suffit pour les deux. Voilà, c'est fini. Tout simplement.
Du coup, je pense que ça va swap. Je sais pas. J'ai. Bon, bah d'accord. Bon, bah on a les. Si, donc c'est ça, c'est bien ça. Les équipes ont swap. Ça va partir les Angeles en City, les Dendig en terreau. C'est parti pour le gun round. Première balle, je pense qu'ils vont sortir. Voilà, tout de suite, The Farmer sur la tête de Robin. The Farmer qui va tomber par la tête de Twist, sauf qu'il a réussi à mettre quelques balles sympathiques à ses camarades. Du coup, ça s'est avancé vers ce BPA. Mais c'est reparti du côté du BPB. Cependant, on a deux joueurs sur chaque BP. Flash qui va mettre la grosse tête de Twist, pardon. Et pendant ce temps-là, on a Dumas qui est à dans ce Skyfall là. Barcode qui était caché dans ce poulailler, qui va mettre la grosse tête à Benji. Et Zendé sûrement. Non, même pas double kill. Il va se faire prendre la tête avant par Néné. Dumas qui va quand même faire tomber Néné, justement. Flash, pardon. J'ai du mal hein, ce soir, je suis désolé. Flash qui va rester à un petit HP. Mais ça suffit. Voilà, tout simplement. Du coup, ça va acheter deux FAMAS, un LM4A1, un P90 et un MP9 du côté des CT. Alors qu'en terreau, bah, on a 4 Tech-9 et un Deagle. Un Deagle qui a l'air d'être parti sur A pour faire la diversion. Les premiers PV en moins grâce à l'HE de je ne sais pas qui. Dumas, premier kill. Dumas qui va cependant tomber sous les balles de Flash. Flash qui a l'air bien parti pour en faire au moins un deuxième. Néné qui va ensuite enchaîner. Voilà, Flash qui fait son deuxième kill. Il reste deux joueurs dans ce main B là. Il s'avance Skyfall. Oui, c'est ça, il s'avance Skyfall. Ils sautent tous les deux. Ils vont aller tenter le A, mais il y a Flash qui est là, qui leur dit non. Néné qui commence à s'avancer en se disant ouais, je vais y aller, mais en fait, non, peut-être pas. On a Zen qui est à 10 petits HP. Zen qui va essayer de faire quelque chose, mais voilà, Néné qui va l'en empêcher tout simplement d'une balle de MP9 dans la tête. Bah du coup c'est parti, on a acheté presque un vrai stuff hein, du côté de CCT. En terreau on est toujours en écho, on n'a pas de stuff du tout, on a 3 P2, c'est tout. Du coup on dit que le score de la map est mal mis. Voir ça avec The Farmer qui farm en fait tout simplement. Voilà. Comme un gros hippopotame là. Tout simplement. Du coup, le 3-0 est le premier round armé. Sauf que The Farmer reste toujours au P90. Ce qui peut être une bonne chose en soi en fonction de là où il va. Néné, qui va se faire booster Skyfall. Sauf qu'il a peut-être. Dumas qui a peut-être vu quelque chose. Voilà, Dumas qui le savait, mais ça va pas l'empêcher de tomber sous les balles de Néné. Sinon, ça s'est avancé du côté de ce BPA. C'était un leurre du côté de ces terroristes. Bah voilà, ça s'avance dans ce long A. On a un joueur qui reste au mid, c'est Benji, mais il va passer. La bombe qui fait demi-tour. La bombe qui a l'air décidée de partir vers ce BPB, je sais pas
trop pourquoi, sachant qu'ils ont pas rotate de chaque côté. On a 4 joueurs en vie, il reste 45 secondes. On a un joueur qui a été vu dans ce mid là, ça y est. Mais ça a pas rotate du tout du côté de BBB. Et c'est descendu Skyfall. Voilà, Twist qui va faire le premier kill, mais qui va rester à 18 petits HP. Robin et Benji qui vont faire un kill chacun, excusez-moi. Il reste sur ce BPB, il reste Néné qui est toujours. Non, qui est toujours Rocher et Caillou, voilà, il va tomber sous les balles de Twist et Zen. Il reste The Farmer qui est. En fait, c'était une très bonne chose qu'ils ont fait. Il reste The Farmer qui était sur ce BPA, qui va sûrement essayer d'économiser une arme, ou peut-être son P90, ou la tenter, quoique, en rushant dans le tas, il y a deux joueurs low life. Il le sait pas forcément, mais j'imagine qu'il a l'info de ses mates. Mais non, il va pas la tenter, je crois. Il a l'air décidé à économiser. Peut-être pas cette arme-là. Ça va lui courir dessus. Et là, je pense qu'il va tomber. Ou pas. Deux kills. Et pas trois. Benji qui va le faire tomber. Juste avant l'explosion de la bombe. Du coup, 3 à 1, premier kill, premier round d'armée, pardon, remporté par ces terroristes. C'est. Pour eux, ce serait bien qu'ils se mettent dans l'idée d'en gagner d'autres. Après, est-ce que ils vont continuer sur leur lancée ou est-ce qu'ils vont prendre un stop? Je sais pas. En tout cas, ça a l'air parti sur ce BPB, ça a couru, hein, très clairement, sur ce BPB. On a Robin, Zend et Benji qui sont dans ce long B. Robin derrière la smoke. Robin qui va être vu. Robin qui va faire tomber Flash, qui s'était fait boost. On a toujours Barcode sur ce BPB. Barcode qui échange des tirs. Barcode qui fait tomber Robin. Benji qui revenge. Voilà, Zend qui va récupérer Revenge sur Barcode, pardon. Benji qui va faire tomber Néné. C'est du 4v2. Le BPB qui est totalement pris. Je pense que ça va aller économiser ses armes. Du côté DCT, hein. On a peut-être The Farmer qui va la tenter. Mais clairement, Dead Fox allait repartir pour économiser son AWAP dans cette tour, j'imagine. Oui, c'est ça. Cependant, Dumas qui est contact avec The Farmer, mais il le sait pas. The Farmer qui va sûrement vouloir prendre un kill. Dumas qui l'a vu à la dernière seconde, mais non, ça va pas suffire. Il va pas avoir le temps, rien du tout. Du coup, un deuxième round marqué par cet héros, on va acheter plutôt bien mine de rien pour ces CT. On a juste un max 7 du côté de Néné, qui va s'en servir magnifiquement bien en mettant une énorme tête à Dumas, qui avait sauté Skyfall. Je sais pas s'il l'avait, je pense qu'il l'avait entendu. Et du coup, récupérer son AK, Dead Fox, qui vient de faire tomber Robin. D'un coup d'AWAP. Et du coup, on a l'info qu'il y a un AWAP sur B. Je pense qu'on va pas la tenter en 3v5. On a un joueur Skyfall. C'était Benji qui va tomber sous les balles, encore une fois, de Néné. Qui a fait un très bon premier round et qui commence un très bon deuxième round. Pardon. Très bon premier match. Flash qui va faire tomber ZD qui était dans ce long. Flash, cependant, qui va tomber sous l'AK de Twist. Voilà, par contre, Twist qui va pas s'en sortir indemne. Hein, la WAP de Dead Fox était toujours présent. Voilà. C'est les CT qui se disent, bon, ça y est, on recommence, on en remet. Voilà. Du coup, 4 à 2. 4 à 2, ça part un peu vers cette longue A. C'est
sachant qu'on a un joueur contact. C'était The Farmer qui va tomber. L'arme qui a été récupérée, ou pas. Elle est toujours là. Voilà, la M4 qui a été récupérée par Robin. Ça s'avance vers ce BPA du coup maintenant. J'ai dit BPB il me semble, je sais plus. Dead Fox. Dead Fox, grosse balle d'AWAP, mais Dumas va le faire tomber. Dumas cependant. Nénénéné était là. Et on a, si je ne m'abuse, je ne sais plus. C'est Flash qui a rotate avec lui et Barcode qui va faire le tour par, par le long B. On a un joueur qui est Wood qui va, voilà, qui va tomber, un gros travers. Barcode qui était revenu, qui s'est dit je vais tenter, ça passe, pourquoi pas. Et voilà, le 5-2 qui est marqué par ces Angeles, par ces Hongrois. Pour l'instant, ça se présente... plutôt bien pour ces Hongrois. Pour moi, c'est une map pas tellement que ça à l'avantage des CT. Mais vu comment les deux équipes ont l'air de jouer, c'est pas... ont l'air de vouloir jouer en tout cas. De prendre, prendre les kills avant de rentrer sur le BPB. Un peu comme le match qu'on a vu tout à l'heure. Je sais pas si vous étiez avec moi à ce moment-là. C'était Pulse Gaming contre... je sais plus. Contre Dead Pixel. Du coup, en attendant, bah, il nous reste déjà plus que Twist. Twist qui fait déjà un triple kill. Si Melrune, ce serait un ace magnifique, hein, concrètement. Il aurait dû garder la ligne, je pense. Mais la bombe est tombée, enfin, a été laissée derrière. Il va aller la chercher. Il reste 50 secondes, il a largement le temps d'aller sur le BPA. Mais, ou alors, il va attendre que les deux CT rotate, ce qui n'est pas le cas. Ah si, ça y est, il commence à repartir. Je connais pas la ligne de Néné. Ça y est, il a pas la visu. Aucun des deux joueurs n'a la visu. Ils attendent que la bombe soit plantée. Twist qui va faire une erreur en tirant, je sais pas. Je crois qu'il l'avait pas vu. Hein. La bombe qui va être plantée, du coup. Twist qui va échanger des balles. Twist qui va se faire surprendre sur des nénés qui avaient couru derrière cette fontaine. Et du coup, bah, c'est la fin. Tout simple. Du coup, 6-2, ça commence à faire beaucoup. Ça va pouvoir racheter encore du côté des terreaux. On va même avoir un AWAP sorti sur Twist. Sinon, du côté des CT, on a deux M4 A4 et une M4 1 et deux AK. Et ça... ça... ils ont pas d'AWAP sur Dead Fox. The Farmer qui a fait le premier kill sur Dumas. Zen qui va tout de suite Revenge. Ça, c'est 4v4. On a Zen, par contre, qui est midlife, du coup. La bombe qui était partie... c'est qui? C'est Twist qui a son AWAP. Twist a l'AWAP qui garde le push venant du B. Et je pense que ça va commencer à partir vers ce BPB, sachant que du côté du BPB, il n'y a plus qu'un seul joueur et c'est Barcode. Les deux... enfin... Nénéné et Dead Fox étant sur le BPA. Non, on a quand même Flash qui va revenir, qui va prendre ce Skyfall. On a un joueur, c'est Robin qui va faire la distraction sur le BPA. Voilà, Flash et Dead Fox qui fait le bon kill. Benji qui va faire tomber Flash, qui revenait sur ce BPB. On a un joueur dans ce poulailler, personne le sait, sauf que personne a check. Personne a check et Barcode va faire le bon double kill et sûrement diffuse la bombe. Sachant qu'il reste que Zendé dans cette sortie Skyfall. Zendé qui va faire le premier kill. Zendé qui joue le temps. Zendé qui va jouer le temps, mais ça va pas être suffisant. On a un kit du côté de Barcode et on va pouvoir diffuser la bombe tranquillement.
7-2. 7-2 pour CCT. Un bon round déjà de fait. Hein. C'est bien déjà en CT. Bon après ça c'est pas un round normal encore. Mais contre 2 kills marqués. 2 rounds marqués en terreau, c'est déjà beaucoup. On a l'habitude de voir un score un petit peu plus serré quand même sur Cobble. Hein. Je comprends pas ce que t'as dit de vous. Du coup, pendant ce temps-là, excusez-moi, bah il y a eu beaucoup de kills des deux côtés, hein. On a Benji qui a fait un doublé. D'ailleurs, Zedf. Voilà. The Farmer qui va tomber à côté de ce caillou. Ok, là et là. Dead Fox qui va se faire courir dessus alors qu'il la tentait. C'est un troisième round marqué par ces. Bah, par ces. Par cet héros. Il faudra en mettre d'autres si vous voulez que ça ressemble vraiment à un side co correct. Ça va pas acheter sauf Barcode qui avait largement les moyens. Sinon, ça court hein, sur le BPB. Je pense que ça sait qu'on est en écho, du coup ça a concrètement très bien couru. Hein. À la du masque qui va faire le premier kill. Flash, par contre, et Barcode, double kill. Flash toujours. Nenene qui va revenir. C'est l'éco-fils qui se prépare. Hein, à part Barcode qui a fait son double kill, il reste déjà plus que Twist avec son AWAP. Twist qui va la tenter. Hein, il a pas envie que ses coéquipiers soient morts en vain. Du coup, bah, il va courir, mais bon. À la WAP contre 3K M4, c'était tendu. Mais bon, il va avoir les moyens. On va lui drop une AWAP, je crois. Dead Fox. Ah non, c'était. Non, j'ai rien dit. Il a ramassé la WAP. Par contre, du coup, on va économiser du côté des terroristes. C'est ça. Ça s'avance vers ce Skyfall là, Dumas. Qui attend sûrement la fin de la smoke, mais on a l'Ali. On a un joueur long B, un joueur qui est toujours mid A, enfin mid. Qui vient d'esquiver la balle d'AWAP. C'est Flash qui va faire le premier kill. Suivi par Dumas, Barcode double kill, mais il va se faire revenge par Benji. Benji qui a du coup récupéré une AK. Twist toujours dans ce mid A, mais non. C'est désormais il est passé Wood. Ils le savent pas. Oh, il va rater son premier tir. Twist qui va rater sa première balle. Du coup, The Farmer qui va le faire tomber. The Farmer qui va rester à 14 HP. Il reste plus que Benji. Benji qui va tomber sous les balles de Flash dans cette sortie Skyfall. Faudrait un coup de boost là du côté des Danois pour qu'ils fassent quelque chose en fait tout simplement. Du coup ça s'avance encore une fois du côté de ce B. On a Zen qui est passé dans la smoke. Zen qui a vu un CT mais qui a pas pu tirer. Je crois qu'il va être vu. Il est vu. Il est vu par Dead Fox. Ça va s'avancer derrière Twist là dans ce Skyfall. Voilà, Dumas qui va prendre le premier kill sur Flash. Deuxième kill fait par Twist sur Dead Fox. Dead Fox qui avait la WAP qui n'en a pas fait grand-chose. Twist du coup qui va prendre la sortie du Skyfall. La bombe qui va, je pense, être plantée. Voilà. Robin qui plante la bombe. Sinon, bah. Les trois autres joueurs qui ont l'air de vouloir économiser leurs armes. La WAP qui va pas être récupérée du côté des terreaux.
Peut-être que si, voir plus tard. Je sais pas. Twist qui va quand même faire tomber Néné qu'attendait caché sur ce BPA. Les deux derniers CT qui vont économiser leurs arts. Et qui vont pouvoir, je pense, économiser, enfin sauvegarder en toute sécurité. Hein. Du coup, 9-4, c'est. Ça y est, les terreaux qui ont mis deux rounds à la fin, là. Un ou deux petits derniers, ce serait pas mal, je pense, pour cette équipe terroriste. Sinon, je sais pas, en tout cas, ça a l'air. Ouais, ça a l'air bizarre. Enfin, je sais pas. Ils ont largement les moyens de racheter, hein, du côté des CT. De toute façon, c'est bien ce qui me semblait. La pause avait été demandée. Par les CT, je crois. Ça y est, le unpause qui est demandé. C'est live. Du coup, ça part encore une fois, j'ai l'impression, vers ce BPB. Ça fait beaucoup de BPB, hein. Là, c'est clairement entendu, hein. Ils les ont entendus courir. La bombe qui est laissée, clairement, dans ce long B. Ça fait un peu du je dirais pas du Silver Rush, mais presque, hein. Robin qui va quand même faire le premier kill sur Flash, qui voulait prendre l'info. Ça a l'air de vouloir avancer Twist qui va faire un kill sur Néné. On a 3 joueurs low life et un joueur mort, ça y est, c'était Dumas par Dead Fox. Dead Fox qui va survivre pour l'instant, qui va tomber, ça y est, sous les balles de ZND. Barcode entre-temps qui a fait tomber Twist. The Farmer qui est arrivé par derrière, qui a fait tomber Robin. Deuxième kill, mais Benji va finir en double kill sur The Farmer et si je ne m'abuse, c'était Dead Fox. Encore un round marqué par les terreaux. Un petit dernier, franchement, ils pourraient le faire, sachant qu'ils n'ont pas des masses dessous. Ils vont pouvoir acheter correctement ou presque. Non, pas du tout en fait. Ils vont avoir uniquement 3 pistoles. Enfin, 2 M4 et 3 pistoles du côté de CCT. C'est un peu dégueu hein, comme force buy. C'est pas très parallélépipède. Franchement. Là, vu le rush B qu'ils ont fait, c'est. Ouais, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et ça passe. Robin qui fait le premier kill. Par contre, The Farmer qui a fait tomber Twist sur ce BPA. Ouais. Il reste 3 joueurs en vie. La bombe qui va être plantée. On a un joueur low life de chaque côté. C'est. Ouais. The Farmer qui a 5 petits HP, ZND qui a 12, Dumas qui est mid-life. On n'a pas un joueur full vie du côté des CT. Dumas, premier kill. Benji qui va s'en sortir un peu à des HP, Robin qui va tomber. Voilà, The Farmer qui va tomber, Dead Fox. Dead Fox qui va finalement, après 2 kills, tomber sous les balles de Twist. Je sais plus. Et ça va pas passer. Et du coup, le 9-6. Enfin, le sixième round marqué par les Dendy. Qui vont pourvoir, j'espère pour eux, faire un round CT, un side CT correct. Et pour l'instant, ça rejoint un peu mes pronostics. Enfin, en attendant, ça a couru Skyfall. Ça va courir sur Twist là, après avoir couru sur Robin. Zende qui va quand même faire un kill avant de se faire complètement deny. La bombe qui va être plantée en toute sécurité. Il reste déjà plus que Dumas qui arrive par derrière dans cette Skyfall. J'allais dire longue, mais non. Il l'a pris mid-life et il prend une grosse tête pour finir. Voilà. Point. Alors,
Ouais, je trouve un peu que ça fait silver aussi, hein. Bah du coup ça part en live. Ça part en premier kill par Robin. Robin qui a réussi à, du coup à ramasser le P90 de The Farmer. Il a pas pu faire grand chose cette fois. Ces Danois qui j'espère auront une strat un peu plus poussée que courir sur le BPB, parce que là on s'était ça passera beaucoup moins. On a Dead Fox qui va prendre le kill sur Robin, Twist qui a 8 petits HP, Zen qui est mid-life. Twist qui avait la grosse ligne sur la grosse tête de Dead Fox. Et bah il a pas hésité, hein. Du coup, Flash. Flash qui va retourner attendre ses coéquipiers. Une smoke pas très belle qui couvre pas énormément, si ce n'est depuis la sortie Skyfall. Flash du coup qui va quand même faire le kill sur Twist qui avait 8 petits HP. Benji qui va s'en sortir 9 HP après avoir fait le kill de Barcode, mais Nénéné va l'en empêcher. Flash va faire tomber Zen. Il reste 10 secondes, la bombe va être plantée, il reste plus que Dumas, mais Dumas est full vie. Il a cependant qu'un Deagle. Et voilà, contre Nénéné, ça va pas être suffisant. Deux AK sauvés, le round marqué. Les Orgeless qui se mettent bien après deux rounds de suite en terreau. Faut continuer comme ça, les mecs. Mais les autres, faut vous réveiller, hein. Faut faire quelque chose là parce que vous m'avez pas l'air très très chaud, hein, les Danois là. Du coup, par contre, là, c'est encore une fois couru sur le BPB. C'est encore en écho chez les Danois. Une grosse tête qui est mise sur Dead Fox. Mais ça va pas suffire vu qu'il a un casque. Dead Fox, The Farmer, Barcode, chacun un kill. Il n'y a personne poulailler, les mecs. Vous pouvez arrêter de tirer. The Farmer, deuxième kill. Ça fait des sous. Hein. Le P90, je rappelle, c'est un PN. Ça fait des sous. Hein. Et du coup, bah, plus que du masse, encore une fois. Qui va essayer de surprendre un terroriste au niveau de cette porte. On a d'ailleurs Barcode qui a 8 petits HP. 19, pardon. J'ai vu 8, j'ai vu. C'est 19. Barcode qui pourrait tomber. Et bah non. Et bah non, parce qu'il va mettre la grosse tête à Dumas. Tout simplement. Pourtant, c'était pas dur et il lui suffisait d'une balle, je pense à peu près n'importe où. Sauf dans les pieds peut-être. Enfin bref. Du coup, ça se dirige encore une fois du côté de ce BPB, mais on a un round armé des deux côtés. Le premier de ce deuxième side. Du coup, bah, The Farmer qui fait tomber. C'était Robin. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. En gros, il reste deux joueurs terroristes qui vont planter la bombe, du masse 100%, mais on a Barcode qui va lui arriver dans le cul, Lulu. Et il risque de, voilà, de décéder. Du coup. Bah du coup, ça fait 4 rounds de suite marqués par les terroristes. Encore 3 et c'est fini, hein, les mecs. J'avais peut-être un peu pronostiqué un peu plus difficile la victoire quand même des Angeles là. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Oh, Benji qui va tomber tout simplement. Après avoir mis Flash à 26 HP quand même. Hein. Barcode maintenant qui va faire tomber Zen. Et Twist qui va quand même faire tomber Dead Fox avant de se faire rouler dessus concrètement, se prendre une grosse bibliothèque là. Par. C'était Flash, il me semble, de Farmer. Et Nénéné qui va terminer.
Du coup, encore une fois, ça s'avance vers ce BPB. J'ai l'impression qu'on va pas agresser une seule fois dans tout le match. Du coup, ça sort Skyfall. Des kills qui s'enchaînent. Flash. Flash qui va faire un kill, qui va se faire revenge. Là, c'est déjà du 2v2. Hein. La bombe qui va quand même être plantée. On a toujours la WAP sur Benji. Ça peut être quelque chose. Du masque qui va tomber sous les balles de Néné. Dans cette smoke d'ailleurs, au passage. Il reste Benji à la WAP. Benji à la WAP, mais il va tomber. Ah non, Benji qui a switch sur une M4, pardon, j'ai rien dit. Il va faire tomber The Farmer. Avant de, par contre, se prendre le stomp qui se prenne depuis le début. Là, ça fait 6 rounds de suite qui se prennent en terreau. Enfin, en CT, du coup. Je pense qu'on peut dire que c'est le dernier. Hein. Là, il y a 3 Max 7 qui sont sortis. Ça m'étonnerait qu'ils le mettent. Du coup, encore une fois, ça a couru sur ce BPB. On a 3 joueurs midlife. Ah, Twist qui va quand même tomber. Twist, double kill! Twist, triple kill! Ah non, ça y est, il va tomber. Benji, j'ai peut-être rien dit, sûrement même. Ouh, l'agro qui fait pas du bien. Il reste Barcode, 14 aspects. Qui va pas s'en sortir. Et enfin, le premier, le voilà, le fameux. Le premier round, c'était marqué par cette équipe danoise des Dendy. Dendy. Faudrait que quelqu'un m'explique comment on prononce ça. DND. DND, je sais pas. Ouais. Du coup, cette fois, ça s'avance pas que vers le BPB. C'est. Ouais. On pré-shot dans la smoke histoire de vous peut-être faire du bruit aussi. Du coup, ça s'avance un peu de chaque côté, mais ça a l'air plutôt de s'avancer vers ce BPA. On a Dead Fox qui prend la ligne au mid. 3 joueurs sur ce B, 2 joueurs sur ce A. Et c'est Dumas, un des joueurs justement sur ce BPA qui va faire le premier kill. Mais il va se faire prendre la tête, tout simplement, par The Farmer. On a. C'est qui? C'est qui à la WAP? C'est Twist qui est à la WAP sur ce BP. Sur ce BPA. Par contre, ça va courir un peu de tous les côtés. On a 2 joueurs. Voilà, c'était Zen qui est un des 2 joueurs. Zen qui va, voilà, tomber. Voilà, c'est ce que j'allais. Il faut que j'arrête avec les. Voilà. Flash qui fait le kill. Il reste déjà plus que Robin. Et Twist. Twist qui va faire un bon noscope, il me semble. J'ai pas fait attention. J'étais pas sur sa vue. La bombe qui va être plantée. Il reste que Robin avec un FAMAS. Robin qui va faire un premier kill. Mais qui va pas faire le deuxième. 16-7. Deuxième match remporté par ces Horseless. J'étais loin de mon pronostic. J'avais pronostiqué 16-13. J'avais pronostiqué les Horseless quand même. Du coup, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière map de ce BO3 qui sera cash. Donc map aléatoire. Pour l'instant, les deux équipes ont remporté leurs maps respectives. On va voir ce que ça va donner. On va voir tout simplement. Enfin, aléatoire, non, pas tellement. Au final, c'est par un ban. C'est la dernière, quoi. Voilà. Du coup, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Revenez vite. Thank you.
Et re à tous, c'est toujours moi, Robocamille, en live sur Clan Mystique TV,
Pour ce troisième et dernier match de d'NDD contre Orgeless, et 2 secondes. Voilà, désolé. Du coup, je disais oui, ce troisième match, après une victoire chacun, je sais pas ce que nous a fait d'NDD au match d'avant sur Cobble. Ils se sont pris 16-9, mais c'était pas du beau jeu, hein. J'ai pas trouvé ça ouf. Après, est-ce que ça va être mieux? Je sais pas. J'espère, parce que sinon, hein, voilà. On attend toujours 2 joueurs, mais bon. Avec beaucoup moins d'impatience qu'au premier match. Je m'attendais à mieux, quoi, disons, d'équipe de ce niveau. Du coup, bah rien du tout. Je dis n'importe quoi. Le warm-up qui est fini, hein, du coup, on va attendre le dernier, du coup, vu que le barcode vient d'arriver. Non, d'ailleurs, Flash était là. On attend le dernier des. Bah, de personne. Enfin, tout le monde est là. Tout simplement. Et Gabou, je sais pas qui va casse demain. Désolé. Si on m'entend à la régie, on me le dira peut-être, mais je sais pas. Je sais même pas si on sait à la régie qui va casse demain. Du coup, tant pis. Tu verras bien, surprise. Ça a l'air de pas être live. Bon, ça va reprendre. Le knife round va reprendre, il me semble. Ok, il s'est passé un souci. Je crois qu'il savait pas si c'était live ou pas, et du coup, bah. On a recommencé des deux côtés. Parce que du coup, c'est pas live. Et du coup, je sais pas ce qu'on attend. Ça y est, ça va partir. Enfin, pour le knife round. Ça y est, ça va aller se découper la rondelle au niveau de semi. Bah voilà, que dire de plus, hein, les Dendidi qui remportent ce knife round. J'ai pas retenu qui avait remporté les knife round. Il semble que Orgeless avait remporté le deuxième, je sais plus du tout, désolé. Du coup, on attend le live. Ça va redémarrer d'ici quelques secondes. On attend les deuxièmes ready après. Je sais pas s'ils ont choisi de stay ou. Ah, ils ont choisi de stay. Du coup, on aura les Danois qui vont rester en CT et les Hongrois qui vont attaquer pour ce premier round. De ce dernier match. Oui, je fais des longues pauses dans mes phrases, mais c'est pas grave. J'ai le droit, non? Du coup, c'est parti. J'ai l'impression que ça veut prendre le mid directement. En tout cas, les smokes qui sont bien positionnés. Benji qui sort de sa smid.
Aucun, toujours aucun kill de fait, mais c'est passé sur ce BPA. Ça y est, premier kill fait par Deadfox sur Benji et Twist qui va instantanément revenge. Barcode qui a vu son ennemi dans cette... C'était Robin dans ce conduit là. The Farmer qui va faire tomber, j'ai pas eu le temps de voir, mais les derniers kills qui vont être faits par Twist et Dumast. La bombe qui va largement avoir le temps d'être diffuse. Le premier round pour CCT. À savoir s'ils vont nous en mettre d'autres ou si, comme tout à l'heure, ils vont s'arrêter là. Du coup, niveau des terroristes, ça va s'avancer vers un A. On a trois joueurs qui vont passer main. Les deux autres juste derrière, évidemment. Les smokes qui sont lancés. Benji qui va quand même faire tomber Dead Fox. Donc ça y est, quatre joueurs sortent du main. On a deux kills faits par Zendé. Robin qui va cependant tomber. La bombe qui a été plantée, mais instant. Et les derniers kills qui sont faits. Le team kill fait par Zendé d'ailleurs, au passage. Zendé qui fait deux kills plus un. Bah plus un TK, en fait. Ah, du coup, le deuxième round marqué par CCT. C'était Rogue qui ont décidé de partir sur un round full achat. On s'y attend sûrement pas. En tout cas, pas du côté de Robin. Qui est toujours avec son MP7. Et du mass. Twist, par contre, qui va faire le premier kill sur le farmer. Deuxième kill, ça y est, sur Barcode. La smoke qui va être posée, ça va être complètement deny. Robin, mine de rien, qui avec son MP7 fait le kill sur Dead Fox. Nene qui va quand même l'empêcher de faire bien plus que ça. Du mass. Et Benji qui vont faire les deux derniers kills sur Flash. Et je sais plus. Dead Fox, il me semble. On me dit que j'ai les yeux fermés, je sais pas à quel propos, faut le repréciser parce que y a vu qu'il y a un décalage et qu'en plus je regarde pas souvent le chat, faut qu'on m'explique. Du coup bah ça repart vers un BPA, du coup c'est en écho hein, évidemment, après avoir fait un roule full achat au deuxième round, ça peut pas faire beaucoup plus. Ça part sur une CPL en A. Le premier kill qui est fait par Zendé, Zendé double kill. Il va pas faire plus. On a deux joueurs au contact. Voilà, c'était Robin et Barcode. Barcode qui va tomber. Twist qui va faire tomber The Farmer, mais il reste quand même Dead Fox qui va faire tomber Robin. Deux AWAP. Et une AK. Enfin, deux guns hein, plutôt. Et une AK. Contre juste une AK. Il me semble que c'était ça. Ou une M4. Ben, ça va pas suffire. Et du coup, le quatrième round de suite, mais mis par ces Dendy, dit, pardon. Ce qui commence plutôt mal, je dirais, pour nos pronostics respectifs. Twist, encore une fois, qui fait un bon kill. Benji, par contre, qui va tomber sous la WAP de Dead Fox. Ça, voilà, Twist, deuxième kill sur Flash. On a un joueur qui est boosté, qui vient de tomber d'ailleurs. C'était Dead Fox qui repart vers ce mid. On a un joueur justement dans le mid, c'est Nénéné toujours, qui vient de faire tomber du mass. Il nous reste en 3v3. Robin 3, qui me contredit, qui dit non, 3v2. Voilà, Robin qui va tomber sous la WAP de Dead Fox. Des Zendé qui va dire nope à Barcode. Zendé dans ce main A. Il y a deux joueurs dans ce main A. Il n'a pas vu le deuxième.
Il sait pas où est le deuxième joueur Dead Fox, de ses Dendidi. AWAP contre AWAP. Et il risque de tomber. Voilà, il ne checkait pas aux bons endroits. La ligne minuscule qu'il avait. Enfin non. Ouais. Pas très grande, disons, pas minuscule. De Twist qui va, encore une fois, mettre un round. Alors que pour une fois, les Orgless étaient bien partis. Mais non. Ils se sont fait complètement deny. Du coup, ça essaye de prendre son main. On a un setup full AK contre deux AWAP. Barcode d'ailleurs qui va faire tomber une M4 dans ce mid. Barcode qui va s'en tirer mid-life. On a deux joueurs A, deux joueurs B. Barcode 10 petits HP. Zendé qui va faire le premier kill sur Dead Fox qui était dans ce barcode avec 10 HP qui fait quand même le kill sur Twist. Nénéné qui va s'empresser, pardon, excuse-moi, de continuer sur du mas. Les deux derniers, un AWAP et un AK, qui sont Benji par exemple, à l'AWAP qui est hauteur B et qui va essayer de faire brûler la bombe, ce qui ne marche pas très bien, j'ai déjà essayé. Et Zendé qui s'approche doucement avant de repartir précipitamment, disons. Barcode qui a récupéré la web, 10 HP, il a fait un bon round. S'il arrive à survivre, Benji qui va essayer de save son arme, cependant, je sais pas si ça va passer. Benji qui va faire tomber Flash et survivre. Barcode qui a quand même réussi à sauvegarder une AWAP en restant en vie, alors qu'il était à 10 petits HP. Du coup, le premier round marqué par ces Orgeless, faudrait en mettre d'autres maintenant, les mecs. Si vous voulez gagner, après je dis ça pour vous, mais on m'en fout. Dumas, double kill. Ouais. Dumas qui a pris juste 25 petits HP en moins. Ça s'avançait vers le B, ça a complètement été deny. Les trois derniers sont sur A. D'ailleurs, Nénéné qui va s'empresser de faire un kill sur Zendé. Mais Benji revenait du mid et s'est dit, bah tiens, si je faisais un kill au passage. Bah du coup, Flash, bah, j'allais dire Flash qui reste dans ce main A. Et Dead Fox qui était... Je ne sais plus d'où. Et Flash va faire tomber la WAP quand même de Benji avant de se prendre les balles de Robin. Et je sais pas si c'est la WAP de Benji qui a été récupérée ou l'autre, je crois qu'il y en avait deux. Ou c'était peut-être le round d'avant. Enfin bref, 6-1. Les Dendidi qui sont dit bon, nope. On va pas faire comme la map d'avant. Et du coup, qu'ils mettent en place, disons, des strats un peu plus potable, surtout en CT. Après, faut voir ce qu'ils feront en CRO. En tout cas, là, Robin qui fait un beau triple kill. Zendé qui en fait un avant de tomber. Il ne reste déjà plus que Nénéné à 45 HP derrière cette smoke. Et Robin qui met un gros travers smoke des familles. Quadra kill de Robin. Hashtag la cale ici, je crois. C'est d'après son image de profil. C'est ça. Du coup, 7-1, les terreaux qui s'éparpillent un peu, essayer de prendre l'info, peut-être l'entry kill. Toujours pas de PV. Ça y est, les premiers PV enlevés sur Dead Fox. Et Zendé qui va se retrouver à 7 petits HP. Tout petit petit.
la WAP de Bendy qui essaye de faire un travers smoke. En attendant, il y a ici même ces barcodes qui essayent de faire tomber Zendé, hein, qui est à 7 petits HP, je pense que c'est ça. Twist en attendant qui va faire tomber Néné Néné. Oui, c'est ça, Néné Néné. Bref, c'est impossible à dire. Ça. Sur ce BPB, il me semble, je crois que c'est ça. Du coup, ça s'avance vers ce BPB, on a deux joueurs. Benji qui... Ok, j'allais dire Benji qui fait tomber barcode sur le dernier sur le BPA. Et en attendant, bah Dumas il a fait no, je fais un double headshot, ça va plus vite. 8 à 1, ça commence à faire beaucoup. Mon pronostic de base étant les Dendidi vainqueurs en 2-1. Je l'ai modifié après la dernière, j'aurais peut-être pas dû. Après, voir s'ils vont rester comme ça tout le round. En tout cas, on a un joueur déjà. Ok, tous les joueurs très low life. Et Twist et Dumas qui sont arrivés, qui ont tiré complètement dans le tas, c'était n'importe quoi. Boum, 5 kills. Là c'est du grand. Du grand n'importe quoi. Du coup 9-1, encore. Encore un hommage. Ça fait beaucoup pour ce soir. Hein. Du coup, ça s'est avancé encore une fois vers ce main A. Je crois pas qu'ils aient l'info que Zendé soit là. Ils checkent tous. Mais je pense qu'ils savent qu'ils sont là. Dumas qui aurait pu faire un carnage en arrivant par derrière. Ça n'a pas été le cas. Dead Fox qui va faire tomber Benji. Zendé qui est quand même là, qui a réussi à faire un kill. Deux kills avant de tomber sous les balles de flash. Robin qui va faire tomber Barcode. Robin qui est toujours là. Robin qui est toujours là. Et Twist aussi d'ailleurs. Ils étaient tous revenus sur ce BPA. Et le 10-1. Le 10-1 qui passe. Ça y est. Ça commence à être un large écart. Encore une fois, ça part vers ce BPA. J'ai pas l'impression qu'on fasse beaucoup de B. Ni on essaye de prendre le mid. Et il voit que ça marche pas beaucoup pourtant. Hein. Je sais pas pourquoi il s'entête. Oh là là, Zendé qui est dans cette smoke. Cette smoke. Zendé d'ailleurs qui va tomber. Après avoir mis le farmer à 34 petits HP. Flash qui va tomber sous les balles de Robin, Nenene qui va faire justement revenge sur Robin. The Farmer, deuxième kill, il me semble. Oui, c'est ça. On a deux joueurs K. Non, un joueur K. C'est Dumas. Non, c'est Twist. Dumas qui est derrière dans ce main. La bombe qui a été plantée, les deux derniers joueurs. Dumas double kill. Ce qui donne carrément la victoire, concrètement. Bah ouais. Le double kill de la victoire. De ce round, en tout cas. Mais bon, la double kill de la débandade, hein, parce que là, on va faire un tour du côté du scoreboard. Mais bon, le premier des terreaux, il fait du 7-12 et c'est Dead Fox. Dead Fox qui a été là, Nénénéné aussi, qui est chaud, qui fait du 6-3-12. C'est le deuxième. Par contre, ouais, voilà, c'est pas suffisant. Barcode qui fait du 2-11. Benji en face, le plus. Pas le plus nul, disons, le moins chaud des Dendidi. Qui est en 7-5 quoi, c'est différent. Et par contre Twist qui est très très chaud, qui fait du 15-1. Benji qui va prendre une énorme tête depuis l'AK de Dead Fox. Mais Dead Fox qui va tomber sur les balles de Zendé. Zendé peut-être double kill. Non, Robin était de l'autre côté sur la carte. Robin va tomber sous les balles de flash, mais Dumas va revenge et Zendé va faire un kill dans le main de l'autre côté. La bombe est tombée. Et Barcode aussi. 12-1. Ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup, les mecs. Genre, c'est cash, mais quand même. D'habitude, on voit 10-5 sur cash, pas 0, pas 10-0. Ça commence à être pas mal là. Hein.
Du coup, cette fois, ça s'avance vers le mid. Benji! Benji qui est passé dans la smoke en même temps qu'eux! Et du coup, qui va arriver derrière. Qui va pas faire de kill, mais presque, parce que il va participer grandement à un team kill. Mais du coup, j'ai. Ok. Donc là, on a un joueur low life, bon. La bombe down. Le last joueur. Qui va faire le kill, Barcode, qui va faire le kill sur Twist. Il va avoir largement le temps de la planter la bombe parce que Zende n'était pas du tout présent. Par contre, Barcode va rester à 24 petits HP. Je pense que tu devrais pas la tenter, mec. Voilà. Bon, tu fais ce que tu veux, hein, mais. Zende a pu le faire. Et du coup, 13-1. 13-1. Techniquement, au moins, ça m'a vite de pouvoir manger tôt. Hein. Enfin, tôt. Quoique, c'est un troisième match de BO3. Mais bon. Quand même. C'est pas beau. C'est pas beau, les mecs. Tu me diras, tout à l'heure, on a vu le dernier match, je crois, de. C'était qui? C'était Dead Pixel contre. Pulse Gaming. Ça fait 13-2, ensuite ils ont pris 2-13, et après overtime, 2 overtime. Ça peut aussi arriver sur cash. C'était overpass, ça peut arriver sur cash. Du coup, Robin, premier kill, Robin qui va tomber. Non, deux kills de Robin. Zende qui va en faire un avant de tomber. Triple kill de Robin. Robin qui va enfin tomber, voilà. Le dernier joueur qui va tomber, c'était Dead Fox. 14-1. C'est. Je pense que niveau moral, c'est pas top quand même. C'est pas tip top. Du coup, pour ce premier round, on a acheté du Kevlar sur tout le monde. Du côté de Terro, en tout cas. Hein. Une flash, une greu, une smoke. Du côté de Flash, justement. Et ça court sur ce BPA. B, B, B. Je sais pas regarder, je sais pas lire. Né, né, né. Ah non, j'ai cru que c'était un travers smoke. Non, c'était juste une balle au mur. Flash qui va tomber, Dead Fox qui va revenge. Voilà, The Farmer qui va par contre lui tomber. Twist qui va faire le kill sur Barcode. C'est du 3v2. Je pense qu'on a vu Dead Fox. Du masque qui va faire tomber Néné avant de se faire revenge justement par le dit Dead Fox. Mais la bombe qui va courir sur A pour planter facilement. On a fait 3 kills du côté Dead Fox. On a une flash, une smoke. Et un kill surtout. Ça peut faire la différence. C'est surtout au gun round. Par contre, on a un Kevlar encore. Et si je ne m'abuse, on a pas mal de balles. Je vois pas. Du côté de Dendidi. Là, il va diffuse. Il va diffuse. Il va diffuse. Le seum. Les boules, je sais pas comment dire ça, genre le gros porc, le diffuse du gros porc. Il l'avait touché, il a pas arrêté de diffuse, il a réussi. C'est waouh. Comment ça peut passer à ce niveau-là, quoi, genre. Comment tu peux encore voir des choses comme ça? Je comprends pas. Zende qui va se retrouver mid-life à cause de lag de. Zende qui se retrouve à 16 HP. Bah c'est. Je suis sur le cul, tu vois. Dead Fox, mid life.
Ça y est, Barcode, premier kill sur Dumas en mettant Benji à 25 HP. Du coup, Flash qui enchaîne tout de suite sur Robin. Néné sur Benji. On est en 2v5. Ça va être tendu. Faut tenter les one ball du côté de Zendé qui a un Kevlar casque. C'est pas le cas de Twist. Ça y est, Zendé a été vu. Il le sait pas. Il ne le savait pas qu'il avait été vu. Il n'a pas vu la tête qui dépassait la tête de... C'était qui? Je ne sais plus. En tout cas, voilà. Les deux derniers joueurs qui sont tombés. 16 à 3. 14, pardon, à 3. Non, pas tout de suite, 16-3. J'espère, mais ça m'étonnerait. Parce que là, on arrive en Force by Tech. Enfin, Echo. Ouais, non, Force by Tech 9, en fait. Full Kevlar casque. Pourquoi ça Force by au troisième round? Je ne comprends pas. Du coup, ça s'est avancé complètement vers ce A. On a un joueur, c'est Néné qui est hauteur, qui pourrait faire du mal à cette sortie. Exactement comme je le disais. Mais The Farmer va quand même tomber. On a deux joueurs qui reviennent dans le mid, un joueur qui est déjà contact car. Il va être deny avec une smoke. La jolie Molotov que voilà. Dead Fox qui va faire tomber Robin. Il nous reste deux joueurs, il reste Twist. Twist qui va tomber sous les balles de Néné et Benji. Benji avait au P90. Benji qui peut faire la différence. Benji triple kill. Benji qui va pas faire le dernier. C'est dommage. Ils ont quand même fait tomber 4 armes lors de ce magnifique, si j'ose dire, cette magnifique économie. C'est bien joué. C'est bien joué, mais du coup, ils ont pas des masses de sous pour racheter derrière. On va avoir deux joueurs au Deagle, 3 à l'AK. C'est dégueu. Hein, c'est dégueu, clairement. Maintenant, les mecs, faut sortir les strats. Hein, faut pas faire le silver. S'il vous plaît. Parce que j'aimerais voir du beau jeu. Ok, j'ai eu un petit freeze. J'ai vu 4 kills s'afficher d'un coup. J'ai encore un petit freeze, je suis désolé. Je crois. Ou pas. Du coup, j'ai raté, apparemment, il y a eu un duel. Je l'ai raté. On a bah, du coup un joueur, c'est Dead Fox sur ce BPB. Oh. Ok, non, ça c'est un bug, d'accord, très bien. Zendé et Robin qui ont fait un kill chacun, il reste plus que Barcode qui est midlife. Barcode qui est moins de midlife, ça y est, Benji qui va le faire tomber. Le 15-4. Bah voilà les strats, les voilà, les fameuses. C'est pas vraiment une strat, mais c'est pas grave, le fameux 15e round déjà qui est mis. Vous avez plus que 11 chances, les mecs, pour marquer le 16e. Ok, ça c'est pas mal. Je vois des mecs qui glissent, ils font du roller maintenant, les joueurs de CSGO chez moi. Dumas qui va faire le premier kill d'ailleurs en s'en tirant midlife. Zendé qui va enchaîner tout de suite, double kill. Robin qui enchaîne, il reste déjà plus. Le GG qui est lancé, ça y est, on n'y croit pas du côté de cette équipe, des Angeles là. Le GG qui est lancé, pourtant, Flash qui fait un kill, plus que 4. Eh ben non. Flash qui va pas le faire. Flash qui va tomber. Et du coup, les Dendidi qui remportent ce BO3 de map à une. Je crois que la première était 16-9. La deuxième, ils l'ont perdu. 16-9 aussi. Et la troisième, 16-4, victoire des Dendidi. Voilà, c'est. C'est tout pour ce soir, pour moi en tout cas. J'espère que ça a été pour vous. C'était un peu long, surtout à caster tout seul. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Et j'espère aussi vous revoir sur cette chaîne Clan Mystique TV la prochaine fois. Je vous dis peut-être à très bientôt, j'espère. Sinon, bah,
À plus. Ciao.
Oh.